Bon, je veux les présenter. C'est des frères et sœurs bien-aimés qui viennent du Brésil. Je vais faire l'introduction avant de le mettre. Ils viennent du Brésil. Ils sont venus au Canada pour le travail, mais il faut que vous sachiez qu'au Brésil, ils sont environ 200 millions de personnes. Donc, nous, au Québec, on est 7 millions. 200 millions de personnes. Et donc, plus de 40 à 50 se disent chrétiens, qui ont, la plupart d'entre eux, connu le Seigneur. Et beaucoup de Brésiliens, maintenant, partent partout dans le monde avec leur foi. Ils apportent leur foi dans les pays qui arrivent. Ils apprennent la langue. Ils ont appris le français. Et on va avoir le privilège de l'entendre parler du Seigneur aujourd'hui, ce matin. Donc, est-ce que tu peux dire comme « Gloire à Dieu » en brésilien? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK. Bon. Puis aussi, je veux que vous sachiez, comme on vient de lire, ici, il y a des gens qui viennent, il y a une dame qui venait du Rwanda, d'autres du Cameroun, d'autres du Bénin, d'autres de Hong Kong, de Saint-Anne-des-Lacs. Et un jour, on va louer chacun dans notre propre langue aussi, tout ensemble. Donc, pour ce matin, je vais prier, te laisser la parole. Et je prie même pour vous deux, parce que vous êtes une chair. Seigneur, merci de ta grâce, parce que tu t'es révélé. Tu n'as pas laissé les humains être perdus. Tu es venu sur terre, tu as envoyé le message. 2000 ans, Seigneur, d'histoire de l'Église à Saint-Jérôme. Encore. Ton message est annoncé, des gens se convertissent, des gens trouvent leur place vers toi. Donc ce matin, on te prie que tu sois avec notre frère Alex, que tu délies sa langue, que tu portes le message dans son cœur, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse te connaître plus et te rendre gloire plus, Seigneur. C'est en Jésus que je prie. Amen. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ma voix est trop forte si je parle comme ça? C'est bien? OK. Ma voix n'est pas du tout bonne aujourd'hui, mais on va essayer de faire le possible pour arriver à la fin. Donc, je vais juste starter mon timer ici. Ça, c'est super important. Alors, je dois dire que je suis devant vous aujourd'hui dans la crainte et tremblement. Et j'ai trois grandes raisons pour ça. La première, c'est que la première fois que je prêche en français, à la fin du culte, vous pouvez me dire si j'ai appris le français ou pas. Mais ça, c'est déjà assez pour rendre mes jambes un petit peu shaky. Alors, la deuxième raison, c'est que c'est la première fois que je suis devant une église comme ça depuis plusieurs années. Donc, je suis devant une foule. C'est vrai que ça nous rend un petit peu nerveux. Okay? La troisième raison, comme Marie-Ève bien a dit, je pense qu'elle n'est pas là aujourd'hui, c'est mon baptême de prédication à Ecclésia. C'est la première fois que je prêche ici. C'est suffisant pour me laisser complètement nerveux devant vous. Mais j'ai trois autres raisons pour être dans la crainte et tremblement aujourd'hui. La première, c'est que Jésus est vivant. La deuxième, c'est qu'il est présent aujourd'hui avec nous. La troisième, c'est que moi et vous, nous tous ensemble, sommes son Église. Nous appartenons à lui. Donc, cette parole-là, ça me fait peur. Je ne suis pas digne de vous apporter. Donc, on va bientôt prier ensemble. Je veux juste lire les titres de ce sermon que je veux vous apporter aujourd'hui. Les titres que j'ai choisis, c'est la plus excellente manifestation de la puissance de Dieu. On est dans une série, on essaye de comprendre Dieu, on essaye de trouver qui est Dieu, un peu plus de proche, c'est impossible, comme David bien a dit dans son message dimanche passé, c'est difficile de comprendre Dieu entièrement, mais Dieu se révèle à nous. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'omnipotence de Dieu, mais le défi que j'ai, c'est de faire ça en 35 minutes à 40 minutes. C'est impossible, n'est pas ma langue native, c'est super difficile, donc je choisis une. Ou peut-être la puissance de Dieu, qui est la plus excellente de toutes les puissances de Dieu, pour qu'on puisse chercher et trouver ensemble qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur cette puissance-là. Alors, ouvrez vos Bibles dans Romains, chapitre 1, versets 16 à 17. On va rester dans deux versets, OK? Deux versets. Versets 16
à 17. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde a une Bible? S'il y a quelqu'un qui n'a pas de Bible, levez vos mains. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut vous apporter une Bible. Alors, je vais lire les textes, OK? Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes devant ta parole, Seigneur Dieu. Nous sommes devant toi, Seigneur Dieu. On sait, Seigneur Dieu, que ta présence est aujourd'hui avec nous, que tu es là avec nous aujourd'hui. Ça que je te prie humblement, Seigneur Dieu, c'est que je puisse diminuer pour que toi, Seigneur, puisses prendre ces moments pour ton Église, incluant moi, et que tu puisses parler à nos cœurs, fortifier nos cœurs dans ta parole, fortifier nos cœurs dans ton Évangile, Seigneur Dieu. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Le verset 16, j'ai deux corrections à faire, désolé. Là, car je n'ai point honte de l'Évangile, il y a deux points, probablement dans ta Bible. Ces deux points-là ne sont pas dans le texte original, et il y a un deuxième car. Il y a une liaison de causalité. Je n'ai point honte de l'Évangile parce que c'est une puissance. Là, l'article 1 n'est pas aussi non plus là dans les textes. On enlève de 1. Si vous voulez chercher, vous pouvez regarder la ESV, English Standard Version. Ça va faire plus de sens. Si vous avez la capacité de lire en portugais, Almeida Revista Atualizada aussi va nous donner ça. Et si vous avez la capacité de lire en grec, le texte Nestlé Aland va rendre ça aussi. Je ne sais pas pourquoi ces versets n'est pas exactement, mais ça me dérange, c'est pour ça que je vous partage ça. Alors, on passe déjà au thème, la puissance de Dieu. Je vais lire ici quelques mots du messier Herman Bavinck. Herman Bavinck, c'est un théologien du siècle XIX, un géant dans la pensée théologique. Je vais juste prendre les noms de Dieu qu'on connaît dans l'Ancien Testament. Yahweh, c'est un nom dont les contextes, on va trouver plutôt en Exode, chapitre 3, de 14 à 17. On ne va pas aller là-dedans, mais c'est là où ce nom est présenté, je pense, pour la première fois, où le contexte de Yahweh commence. Alors, qu'est-ce que M. Herman Bavinck a dit sur le nom de Dieu? C'est le nom qui décrit ce qui est, il sera toujours ce qu'il était, qui demeure éternellement le même dans sa relation avec son peuple. Il est l'auto-existant. Il était là avant toute chose et par lui, toutes les choses existent. Dans le sens absolu, il est le Seigneur. Les mots qui apparaissent dans le Nouveau Testament, c'est le Kyrios, le despoté, c'est le Seigneur, c'est lui qui règne souverainement sur toute la terre. Il dépend absolument de rien, mais tout, absolument tout, dépend de lui. Il tue, il donne la vie. Il forme la lumière, il crée les ténèbres. Dans son suprême conseil, il a créé le bonheur pour nous tous. Mais il aussi crée l'adversité. Il fait selon sa volonté ce qu'il veut avec l'armée céleste dans les régions invisibles et avec nous tous, les habitants de la planète. De telle façon que les gens sont comme des vases d'argile dans les mains du potier. Son conseil, mon plaisir, est l'ultime base pour tous ceux qu'il est et qui arrivent. Il fait pour sa propre cause, à cause de son nom et son adoration. Il a besoin de rien parce qu'il est le tout suffisant. Il a la vie en soi-même. Il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est, ce qui était et qui vient.
Il est indépendant dans son intellect, dans sa volonté, dans son conseil, dans son amour, dans sa puissance. Étant tout suffisant en lui-même et ne recevant rien du dehors de lui-même, il est par contraste la seule source de toute l'existence et vie, de toute la lumière et amour, la source débordante de tout bien. Alors, ça nous donne un aperçu, juste en regardant le nom de Dieu, de quoi on parle par rapport à la puissance de Dieu. On pourrait parler de tous les faits puissants de Dieu dans l'Ancien Testament, en commençant par la création elle-même, de tout l'univers, de l'humanité, de chacun de nous. On pourrait faire une liste incroyable de tous les miracles rapportés dans les évangiles de Jésus. Combien de guérisons, des démons chassés, des morts ressuscités, des miracles, des prophéties accomplies, des signes, des prodiges, nous pouvons citer ici pour parler de la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, on va parler de la manifestation plus excellente de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que la Bible parle de cette manifestation-là? Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à lui dont on détourne le visage. Nous avons dédaigné, nous avons fait de lui au concas. Cependant, ce sont nos souffrances à nous qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il c'est par ces meurtrissures qui nous sommes guéris. Qui a la référence de ce texte-là? C'est ça. C'est l'Évangile dans l'Ancien Testament. Isaïe 53, de 3 à 5. Alors, en lieu d'un roi tout-puissant, en lieu d'une couronne d'épines, en lieu d'une couronne de roi, une couronne d'épines, en lieu d'un trône, une croix. Donc, le peuple juif attendait une roi qui allait gouverner tout, mais à la fin, c'était une croix que Dieu a donnée. La mort et résurrection de Jésus et la gloire future promise sont l'apogée, les climax, les plus excellentes manifestations de la puissance de Dieu. Pourquoi l'Évangile est la plus excellente manifestation de la puissance de Dieu? La puissance de Dieu, numéro un, la puissance de Dieu agit sur les Juifs et sur les Grecs. Numéro deux, la puissance de Dieu conduit l'histoire de l'humanité. Numéro trois, la puissance de Dieu produit des nouvelles créatures. On commence par le numéro un. La puissance de Dieu agit sur les Juifs et sur les Grecs. Pour les concerner, dans Romains 16 à 17, avec les Grecs et les Juifs, je vais vous dire, ces deux versets sont la thèse de toute l'épître aux Romains. C'est là les plans. Il commence à dérouler les plans de qu'est-ce qu'il va parler dans toute l'épître. Donc, on va se promener un peu. En fait, je vais lire pour vous. Il n'y a pas besoin de tourner la page. Dans quelques versets dans le livre des Romains, qui va nous faire comprendre encore plus qu'est-ce que ces deux versets-là sont en train de dire. Premièrement, nous tous avons besoin de la justice de Dieu. La justice de Dieu est mentionnée dans le verset 17, parce qu'il dit, pourquoi l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, nous tous avons besoin de la justice de Dieu. Et l'apôtre Paul va prendre la section de Romains 1, 18 à 3, 20, pour dérouler ces besoins qu'il y en a de la justice de Dieu. Là, je ne parle pas de la justice qui est faite, qui est exécutée, qui est disons, comme un châtiment sur quelqu'un qui est condamné, mais c'est plutôt la déclaration de justice, ou ça qu'on appelle l'imputation de justice. Ça veut dire déclarer quelqu'un juste. Nous tous avons besoin que Dieu
puisse nous pardonner et nous déclarer justes. Donc, Paul va accuser, il va inculper, il va attribuer l'injustice à toute l'humanité en disant en Romains 1:18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent l'injustice, la vérité captive. » Donc, là, on touche dans un autre attribut de Dieu. Et on va voir comme les attributs de Dieu sont tous intercroisés. Personne ne veut parler de la colère de Dieu. Personne ne veut parler de ça. Mais Dieu est infiniment colère. Il est aussi infiniment amour. Difficile à comprendre, difficile à digérer. Pour les non-juifs, il va dire, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, ses voix comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et il termine, ils sont donc inexcusables. Ça veut dire quoi? Que Dieu est dans toutes ses œuvres. Il se révèle à tout le monde. Même ceux qui se disent ignorants de Dieu, ils ont une certaine connaissance et un sens intérieur de Dieu qui est avec nous d'une certaine façon. Donc, pour eux, nous connaissions la parole de Dieu, nous avons la parole révélée de Dieu, c'est différent. Mais là, ici, pour les non-juifs, il est en train de dire ça. Vous n'avez pas la Torah, la loi, mais vous avez la révélation naturelle de Dieu. C'est ça qu'il dit. Le verset 23 nous aide à comprendre cette colère de Dieu. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Changé la gloire du Dieu incorruptible. En image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors, changer la gloire de Dieu incorruptible en image. Quand je lis le mot « image » immédiatement, je pense aux écrans qu'on passe beaucoup de temps là-dedans. Des fois, il faut se poser la question combien de temps on passe avec Dieu. Alors, pour les Juifs, Paul va dire, les Juifs ont un avantage unique à eux. Il est grand de toute manière, et tout d'abord, on sait que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc, les Juifs avaient les oracles de Dieu. Mais il va renforcer que chaque personne sera jugée par ses œuvres. Hein? Par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, ça, c'est pour mettre à niveau les Juifs et les Grecs. Et la conséquence, c'est que la circoncision physique, qui était un signe pour les Juifs d'une alliance avec Dieu, n'a pas de valeur si la loi n'est pas obéie. Donc, dans Romains 2:25, il va dire « La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient une circoncision. » Immédiatement, les Juifs et les Grecs représentant nous, les non-Juifs, peut-être qu'il y a des Juifs ici, mais on a, les deux sont à même niveau, là, à même niveau. Okay? Tout le monde est coupable devant Dieu. La puissance, la souveraineté de Dieu, elle va faire certainement accomplir sa justice. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? C'est Paul qui dit, comme juifs, nullement, car nous avons déjà éprouvé que tous, juifs et grecs, sont tous sous l'empire du péché. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucune qui fasse les biens, pas même un seul. En Romains 3:20, il va dire, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qui vient la connaissance du péché. Donc, faire les efforts par la loi, essayer de pour vrai, obéir la loi au complet, c'est impossible pour tous les êtres humains, même pour les Juifs. La foi, c'est la clé là-dedans. Donc, seulement l'Évangile est la puissance de Dieu pour les sauver de cette condamnation. La première observation, c'est que la puissance de Dieu agit sur les Juifs
et sur les Grecs. La puissance de Dieu et l'Évangile. La puissance de Dieu conduit l'histoire de l'humanité. OK? Et là, les dons de la justice de Dieu, opérés par la puissance de Dieu, se développent de Romains 3, 21 à 8, 39. On voit que Paul, il a tout simplement, avec ces deux versets, il fait sa thèse de quoi il parle et comment il va dérouler toute la lettre aux Romains. Je n'ai pas le temps de vraiment regarder toutes les sections, mais ici on voit déjà, il commence en disant que tout le monde dépend de Dieu. Tout le monde a besoin de cette grâce de Dieu et que tout le monde est sous la condamnation à cause du péché, mais il y a une puissance qui vient pour sauver ceux qui sont perdus. Et cette puissance nous apporte le don de la justice de Dieu. C'est un Dieu qui nous déclare juste, pas à cause de nous, mais à cause de son Fils, qui est parfait, qui est mort dans notre place, pour qu'on puisse être aujourd'hui dans le royaume de Dieu. Donc, comment Dieu conduit l'histoire de l'humanité? Et par conséquence, mon histoire, nos histoires, ton histoire. La rédemption, c'est-à-dire Jésus nous a rachetés par son sang. Il a payé les prix, il a payé la rançon. Romains 3, 21 à 24. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage de la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption en Jésus-Christ. Deuxièmement, la propitiation. Jésus est la victime substitutive qui a reçu le châtiment une fois pour tous. En Romains 3, 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Troisièmement, nous sommes prédestinés, appelés, justifiés et encore glorifiés. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À être semblables à l'image de son Fils. Dieu nous appelle à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il a aussi justifiés. Il sait qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. On retourne au texte et on voit encore une fois la justice de Dieu. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. En Romains 5, 1 à 2, il continue le même thème. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, par sa puissance, Dieu accomplit ses promesses. Il sépare un peuple pour lui qui jamais sera séparé de son amour. Et cette section où on trouve qu'il change l'histoire de l'humanité termine avec cet incroyable passage. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni l'auteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, toute l'histoire de l'humanité est bouleversée par les événements qui sont arrivés à Jésus-Christ. Dieu est en train de séparer un peuple pour lui. Nous tous avons accès par la foi dans l'Évangile, en Jésus, au royaume de Dieu. Mes frères, mes sœurs, il commence l'histoire. Il change l'histoire.
il ferme l'histoire. Il est l'alpha, l'oméga. Il a vaincu la mort. Il limite le mal dans le monde. Il nous a sauvés de l'emprise du mal et des ténèbres. Il nous libère de la mort éternelle. Il nous donne une nouvelle vie en Jésus, une vie éternelle, une vie en abondance. Alors, il faut savoir que l'Évangile n'est pas l'Église. L'Évangile n'est pas un projet de l'Église. L'Évangile n'est pas les pasteurs. L'Évangile n'est pas la dénomination, n'est pas l'association baptiste. L'Évangile n'est pas non plus le message de l'Église pour sauver le monde. L'Évangile est le message de Dieu pour sauver l'Église. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile est Jésus. Donc, la puissance de Dieu, l'Évangile, agit sur les Juifs et sur les Grecs. La puissance de Dieu, l'Évangile, conduit l'histoire de toute l'humanité vers son destin final. On arrive au troisième point. La puissance de Dieu produit de nouvelles créatures. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour nous. Alors, numéro un, pour être une nouvelle créature, il faut premièrement mourir. Il faut premièrement mourir. C'est-à-dire que la première mission de l'Église, c'est mourir pour soi-même, pour qu'elle puisse prendre la vie de Christ. Il a vivre au complet. Et on va lire ça aussi en Romains. J'essaie de ne pas sortir du texte de la lettre Romains parce que Paul est en train de faire une ligne, un raisonnement au complet. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Là, c'est Romains 6, 4. Nous avons donc enseveli avec lui par le baptême en sa mort. Pour ceux qui pensent que le baptême est en fait un signe de maturité spirituelle, non, 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 pas du tout. Le baptême est la porte d'entrée. Si Jésus est dans ton cœur, si tu es si professes Jésus avec ta bouche, c'est le moment d'être baptisé, déjà, parce que le baptême est la porte d'entrée. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est un symbole de la mort, de quelqu'un qui meurt et qui se lève vivant par la puissance de Jésus. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Romains 6, 8. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, 11. Les nouvelles créatures, point numéro 2, les nouvelles créatures ne sont plus sous les domaines de la chair. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Troisièmement, les nouvelles créatures ne sont pas conformées au siècle présent. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 1 à 2. Et finalement, dans cette section, dans ce troisième point, on arrive, les nouvelles créatures n'ont pas honte de l'Évangile. Et on revient au verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque, du juif premièrement, puis du grec. Donc, la puissance de Dieu agit sur les juifs, sur les grecs. La puissance de Dieu conduit l'histoire de toute l'humanité. La puissance de Dieu, l'Évangile, produit des nouvelles créatures. Et la puissance de Dieu est l'Évangile. Comme ça, j'arrive à une conclusion d'une exposition de deux versets d'une façon très légère. Mais là,
vous ne pouvez pas laisser le pasteur sortir sans poser une question. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi dans mon quotidien? Comment ça s'applique à ma vie? Donc aujourd'hui, j'ai trois personnes en tête. Trois genres de personnes. On va dire pour les trois, la puissance de Dieu agit en nous. Pour ceux qui rayonnent dans cette église. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et on voit souvent cette manifestation de ce rayonnement-là. Même s'ils ne sont pas conscients de ça, ils sont toujours en train de dire, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Comment ça marche? Les gars de louange, je n'ai pas honte de l'Évangile. Les gars du son, je n'ai pas honte de l'Évangile. Quelqu'un qui est dans les caméras, je n'ai pas honte de l'Évangile. Les pasteurs, les missionnaires, et je vois les pasteurs. Je suis un observateur à la table d'anciens et je vois, mon Dieu, je suis tellement petit. Ça va me prendre trop de temps pour arriver à cette sagesse et cet effort pour prendre soin d'une église. C'est pour vrai une tâche lourde. Qu'est-ce qu'ils disent? Je n'ai pas honte de l'Évangile. Les leaders, je n'ai pas honte de l'Évangile. Le CE, je n'ai pas honte de l'Évangile. Comme ça, on continue. La sécurité, la réception, les cafés, l'évangélisation, les enseignants en haut, l'aide communautaire. Des fois, sans conscience, sont en train de dire la même chose. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Quelle puissance qui a changé les cœurs. Pour vous tous qui rayonnent, je voudrais vous laisser un verset. Je vous demande permission pour sortir un petit peu de la lettre Romains. Je vous donne 1 Corinthiens 15, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyez fermes. Pour ceux qui grandissent, qui peut-être ont reçu la parole de Dieu et viennent d'être baptisés récemment, commencent à essayer de découvrir c'est quoi la foi. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce livre géant? Pour où je commence? C'est un peu bizarre d'avoir une Bible par la première fois. Moi, j'ai eu la Bible de ma grand-mère quand j'avais 18 ans. Après, un ami qui a dit, si tu veux savoir qui est Dieu, va lire la Bible. En fait, il l'a dit, va demander à lui. J'ai interprété comme ça. Je suis allé lire la Bible. J'ai commencé par l'évangile de Matthieu. Quand j'ai fini la lecture, je m'ai tombé à genoux. Ils ont dit, Seigneur, je suis à toi. Parce que la parole, l'évangile, est cette puissance qu'on vient de parler. Alors, maintenant, vous qui êtes en train de grandir, qui êtes en train d'essayer de comprendre, savez que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous. L'Évangile est Jésus lui-même, ta parole qui s'est fait chair et qui se présente dans ta vie. Sachez qu'avec cette puissance, tout est possible selon les conseils de Dieu. Il n'y a pas de mariage que l'Évangile ne peut pas restaurer. Il n'y a pas de maladie que Jésus n'est pas capable de guérir. Il n'y a pas de découragement que Jésus n'échange pas en courage et joie. Il n'y a pas de vice, d'addiction, de prison capable de résister à la puissance libérateur du Saint-Esprit qui vient avec l'Évangile dans nos vies. Il n'y a pas de souffrance, de solitude, de perte, où la présence de Jésus n'est pas capable de nous soulager, nous soutenir en nous donnant la croissance en lui. Il n'y a pas de force spirituelle, des ténèbres capables d'empêcher le pouvoir de Dieu dans ta vie. Alors, applique-toi à connaître ce Jésus en profondeur. La Bible que vous avez en vos mains, c'est ce livre-là qui donne témoignage de lui. C'est le livre le plus précieux de tous. Pour vous, je vous laisse Jean 15, 5 à 4. Demeurez en moi, c'est Jésus qui parle. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et finalement,
Peut-être aujourd'hui, on a quelqu'un qui nous visite. Certainement, on va voir à un moment donné quelqu'un qui va nous regarder sur l'Internet. Ils sont avec le cœur touché par les paroles qu'on vient de partager pour ceux qui découvrent Jésus. Je veux parler directement à toi. Si tu sens dans ton cœur que ce message aujourd'hui est pour toi, si tu as soif de comprendre qui est Dieu, tel comme il sait qu'on soit, de découvrir qu'il a été révélé en Jésus, venez me voir après l'écoute ou venez nous visiter si vous regardez sur l'Internet. Alors, je vous laisse finalement un verset à méditer qui est de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, chapitre 11, de 28 à 30. Venez à moi, c'est le mot de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Après ça, je dis encore, je ne peux pas trouver des choses différentes. L'Évangile est la plus excellente manifestation de la puissance de Dieu. Je vais inviter les musiciens à venir avant et je veux prier avec vous tous. Je voudrais aussi qu'on puisse juste chanter sans parler et rester en silence après. Seigneur notre Dieu, notre Père, on dépend de toi, Seigneur. Je te remercie pour ta parole dans ces moments. Je te remercie parce que ça a réchauffé mon cœur. Ça m'a mené aux larmes plusieurs fois quand j'ai préparé ce message. Je te prie, Seigneur, que tu puisses être avec chacun de nous. Que tu puisses fortifier le frère, le sœur qui sont dans le rayonnement dans cette église. Je voudrais, Seigneur Dieu, avec mon cœur appliqué ici dans la prière, avec tous mes frères et sœurs qui sont ici, que tu puisses vraiment fortifier leur cœur pour être ferme et inébranlable dans le ministère que toi, tu les as appelés. Pareillement, Seigneur Dieu, je prie pour ceux qui viennent d'être baptisés, qui sont dans un groupe, qui essayent de trouver, de comprendre la foi. Saint-Esprit, déverse ta lumière sur eux. Éclaire, Seigneur, le chemin. Montre les bons chemins. Restaure leur vie. Soulage les douleurs. Soutiens, Seigneur Dieu, dans les moments de difficulté. Je veux aussi prier, Seigneur Dieu, pour chacun qui peut-être a dans son cœur ce sentiment, quelque chose qui brûle, quelque chose qui le parle en profondeur, qui ont soif de te connaître. Seigneur, protège-le. Amène-le près de toi, Seigneur Dieu. C'est ça que je t'ai prié. Continue avec nous ce dimanche. Protège notre Église pendant la semaine. En le nom de Jésus. Amen.